это заработало. Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы. Ку-ку. Abonnés et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction je ne sais pas, c'est une demande que j'ai eue dans mes commentaires et comme j'aime faire plaisir à mes auditeurs et à mes abonnés, je vais découvrir ceci maintenant. Oh, ça c'est assez sympa. J'aime beaucoup cette lanterne, ça fait vraiment un côté mystérieux. J'ai mal pour toi. On dirait peut-être du Kazakhstan, ou je ne suis pas sûre. Mais c'est assez contradictoire parce que vous voyez qu'il se fait littéralement descendre. C'est pas normal qu'il soit pas mort maintenant en fait. Oh. Ah, j'aime beaucoup cet instrument. Oh. Ça parle de quoi ? Ce son de guitare est vraiment très appréciable. Par contre, même quand vous mettez les sous-titres, ils apparaissent pas, c'est dommage. J'aime beaucoup sa voix qui est rauque comme ça. C'est soit russe ou Kazakhstan, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, la chanson est assez sympa. Hein. Ce son de guitare, j'adore. Donc on voit deux hommes chanter, ou c'est peut-être que lui, mais l'acteur jouait, je sais pas, ça prête à confusion quand même. Ça me perturbe vraiment. En mode sérieux. Santé mon gars. J'adore la chanson. Ils sont plusieurs, je suppose. C'est comme une sorte de groupe. Je ne sais vraiment pas, je ne me suis pas renseignée. Moi j'aime bien ne pas trop me renseigner, vraiment totale découverte. Ça que j'aime bien. Et parfois je ne mets pas les sous-titres aussi pour vraiment m'imprégner en fait. Hein. Mais à mon avis, c'est des choses assez dures. Ce qui s'est passé dans leur pays durant une guerre ou. J'aime beaucoup leur pull d'ailleurs. Oh, sympa. On dirait la Russie, non? D'accord. Yeah, oh.
Wow. Wow. Eh bien, franchement, merci, merci, merci à la personne qui m'a demandé de réagir à ce son, parce que franchement, j'ai passé un très très bon moment, j'ai adoré. Donc si j'ai bien compris, c'est un trio et j'ai adoré que ce soit la voix de chacun. C'est tellement imprégné du... On dirait que ça parle d'une histoire assez dure qui se passe dans leur pays, ou peut-être que je me gourre totalement parce que j'ai beau essayer d'activer les sous-titres, pas moyen d'avoir une traduction plus ou moins correcte. Mais en tout cas, j'ai adoré, parce que vous avez en même temps ce côté assez triste, la réalité de la guerre, les gangs, etc., qui étaient pas faciles, avec tous ces morts qui étaient jonchés sur le sol, puis criblés de balles, etc. Mais j'ai adoré... Et ben oui, il y a une pub qui se lance, évidemment, ben oui, continue. Excusez-moi, mais j'ai vraiment adoré la chanson, ce côté humoristique, comme je le disais, mais en même temps, à la fois ce côté assez triste, et j'étais peinée quand même, mais le son, franchement, waouh, 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 waouh. J'ai adoré comment ça a été filmé, les prises de vue, ces trois protagonistes, ça match super bien ensemble. N'hésitez pas à me dire plus de renseignements sur ce groupe, ou si c'est juste un trio qui s'est seulement formé pour cette chanson. N'hésitez pas non plus à m'expliquer les paroles, ce que ça veut dire, etc. Mais en tout cas, encore merci à la personne qui m'a demandé de réagir à ce son, parce que franchement, j'ai passé un bon moment et j'ai surkiffé. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce trio, groupe ou chaque individu. Est-ce que vous avez également apprécié leur son et la mise en scène du MV? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Yonara. Армандар орындалсың да, сенбегендер сорындар, қалтамда тек қана 5к тоқта.